cheval. Quel est son nom déjà? Scorpion? Est-ce qu'elle a bivouaqué ici? Il comptait y rester un moment, on dirait. De pas et de sabots. Une chèvre. Intéressant. Des rochers. Les traces s'arrêtent ici. Génial. Je peux peut-être les suivre à l'odeur. Impossible de suivre celle d'Esquel. Mais il y a la chèvre. Trouvons un échantillon olfactif. La chèvre d'Esquel a dû se frotter à cet arbre. Une touffe de poils de chèvre. Oh, quelle odeur. Ah, la trace d'Esquel. J'ai eu du nez, on dirait. Elle ne s'est pas attachée d'elle-même. Un appât pour Fauénard, qui fonctionne aussi sur les sorceleurs. Méthode pour appâter le Fauénard. Plantez un piquet, attachez-y une chèvre, puis embusquez-vous dans un bosquet voisin. Bestiaire de frère Adalbert, page 82. Excellente mémoire. Et toujours aussi affûté malgré le poids des ans. Tu es aussi âgé que moi, vieux sage. Ne te laisse pas abuser par les cheveux blancs. Content de te revoir enfin. Yen te tient passablement occupé, n'est-ce pas? Tu l'as dit, à peine téléporté, elle beuglait déjà ses ordres. Et quand j'ai tenté d'en placer une, elle a rétorqué... On n'interrompt pas les dames. Tout juste. C'est dans ces cas-là que je suis content d'avoir une trogne qui les tient à distance. Une belle gueule, ça ne fait pas tout. En tout cas, pour certaines femmes. Tu as raison. La plupart apprécient une bourse pleine. Domaine dans lequel je n'excelle pas davantage. Voilà. Ah, je le vois. Mal choisi son jour. Il s'envole. Fuse les ailes. Pas peur pour ton cheval? Un Fauénard pourrait s'en prendre à lui. Scorpion est un destrier, un pur sang de Kedoen. Il ne craint rien. Je t'ai déjà raconté comment je l'ai obtenu? Je ne crois pas, non. Un jour, je sauve la vie d'un chevalier égaré, sous bois obscur, loup, la routine. Je lui... Il saigne beaucoup. C'est une artère, le sang est clair. Il va...
une poule sur un mur qui picorait du pain dur. Quelle est cette chanson? Un vieillard des collines. Idéal. On dirait qu'il a rejoint son antre. Bien. Il a fini de fuir. Il va se battre. Très bien. Collectons le liquide céphalo-rachidien et filons d'ici. Entaille-le à la base du cou, sous le crâne. Yen t'a dit ce qu'elle compte en faire? Tu ne le sais pas? Et cela ne te dérange pas? Pas du tout. J'ai confiance en elle. Et il paraît qu'on apprend de ses erreurs. Que veux-tu dire? Rien. Rien. Parfait. Allons-y. Hey, que dirais-tu d'une petite course, histoire de départager Ablette et Scorpion, et de voir lequel de nous est meilleur cavalier? Ça, un défi. Je pourrais te battre monté sur une truie boiteuse, mais pourquoi pas? Truie boiteuse toi-même. Le premier à Kermoren a gagné. En avant. Ralenti, tu vas te rompre le cou. Enfin, j'ai failli t'attendre. La selle glissait. Les piètres danseurs accusent toujours leurs chaussures. Piètre danseur, tu l'es. Mais sacré bon cavalier. Nous n'avions rien parié, mais je pense malgré tout que tu mérites quelque chose. Allons, je ne vais pas te dépouiller. Paye ta tournée à l'occasion et nous serons quittes. Marché conclu.
Caroline, encore une maudite fuite. À quoi ça sert? À faire des potions? Non, de l'agneau, à base de pelure de patate. Pour célébrer mon retour? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet. Tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien. Tu es prêt? Allons-y sans plus attendre. Ah, j'oubliais. Impossible de rallier le cercle par la montagne. Un éboulement a condamné le col au printemps dernier. Il va falloir approcher par l'étang, comme pour l'épreuve du médaillon. Tout juste. Tu te rappelles le chemin? Difficile de l'oublier. Celui qui reviendra avec son médaillon aura prouvé qu'il était digne de s'élancer sur la voie. Mais Zemir t'a déjà entendu l'imiter. Ouais. Le vieux ne supporte pas. La brèche de Savola, toujours pas réparée. Les émirs râlent, mais moi, elle ne me dérange pas. Pas de siège en vue. Et ça me fait un raccourci vers l'étang. Dommage que les assassins de la Salamandre n'aient pas percé quelques trous de plus dans nos murs. Ou fini leur besogne en réduisant cette ruine en miettes. Dis-moi, on va traverser à la nage? Non, j'ai un bateau amarré. Tu sais, pour la pêche. Ça alors? Quoi? Pêcher? À la bombe. J'en largue une, et je récupère tout ce qui flotte le ventre en l'air. Je comprends mieux. Joli tir. La chasse est une partie de plaisir avec ce Gabriel. Faut que je m'en déniche. C'est tout un art. C'est un vieux maître qui me l'a appris en Zerikania. Bien sûr. Garde cette histoire pour ta prochaine sorcière. À propos de Vézémir, les choses s'arrangent entre vous? Apparemment. Le vieux a cessé de me faire la morale. J'essaie de ne pas le fâcher trop souvent. Et ça fonctionne? Sans plus. Mais le château est vaste. On ne se marche pas sur les pieds. Bon sang. J'étais sûr de l'avoir amarré ici. L'amarre a dû se détacher. Tu crois? Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. Avec ce brouillard, jamais on... Un orage a eu lieu avant mon arrivée? Attends, Oui, il y a 5 jours. Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur la mare et faire dériver le bateau dans les buissons.
Bien. L'entrée de la caverne est juste en face. Tu la vois? Il suffit de franchir l'étang, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. Après toutes ces années, ça ne paraît pas si terrible. Non. Mais j'en frissonne quand même. Tu sais que de mon groupe, seuls deux gars sont revenus. C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. Allons-y, saute dans le bateau. D'accord, mais c'est moi qui barre. Parce que... Parce que c'est mon bateau. C'est non négociable. Ce bateau, c'est toi qui l'as fabriqué? Ouais. Y a un problème? Hormis l'eau jusqu'aux chevilles? Aucun. Arrête de râler. Il nous mènera sur l'autre rive. À condition de ne rien heurter. Je distingue à peine le bout de mon nez. Ce brouillard est aussi épais que la peau sur le lait. Quel poète tu fais? Et infameux encore. Tu veux entendre un épigramme? Je t'écoute. Lambert, Lambert, tu me désespères. Pas mal. Affale un peu la voile pour prendre le vent. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Bien. On y est presque. Les grottes? Presque. Avant d'entrer... Je sais. Boire une gorgée de chat. D'autres conseils à viser? Du type, gare à ne pas réveiller le vieux fer de lance? Fer de lance rôde toujours dans les parages? Oh que oui. À moins de nous avoir fait la grâce de calancher de son plein gré, il peut nous sauter dessus à tout moment. Comment rime le proverbe déjà? Fer de lance ronfle comme un sonneur. Le réveiller sonnera ta dernière heure. Allons-y. Ah! Au secours! Tu entends? On dirait un gamin. Tu sais comme moi qu'on est les seuls habitants de cette vallée. Il s'agit sûrement d'une illusion. Et dans le cas contraire... Ah! Ah! Comme tu veux. Allons voir, par acquis de conscience. Mais Emir a raison, tu sais. Tu fourres toujours ton nez partout. Bon, très bien, allons-y. Que tu avais raison. Eh bien, ça c'est une première. On verra ça plus tard. Occupons-nous d'abord des brumelins. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Une illusion. Qui l'eût cru? Tu n'es pas prêt de lâcher le morceau, hein? Oh que non. D'ailleurs, le monde entier devrait avoir vent du fait que l'illustre Gérald de Rive s'est fait berner comme un mioche. Jasquier pourrait peut-être en tirer une balade, qu'en dis-tu?
Quand une vie est potentiellement menacée, mieux vaut s'en assurer. Assez parlé de ça. Bien sûr. Le valeureux loup blanc n'abandonne jamais une âme en peine. C'est plus un saint qu'un sorceleur. Pour changer de sujet, j'avais vu juste... Ce garçon, c'était... Ouais, c'était l'un des nôtres. Sûrement noyé pendant l'épreuve du médaillon. Les Brumelins se rappellent sa voix et son apparence. Charmant. Fichons le camp d'ici. Plutôt deux fois qu'une. Surtout que j'étais vraiment pas chaud pour venir. Lambert, ça suffit. C'est trop haut. Pas si je te fais la courte échelle. Ça faisait partie des épreuves. Le sorceleur est un chasseur solitaire. Mais même un chasseur solitaire a parfois besoin d'un coup de main. Vézémir. Ouais ? Ouf ! Espèce de gros lard. Un, deux, trois ! T'es pas franchement un poids-plume non plus, je te signale. Allez, viens. Le mur n'a pas l'air solide. Un petit coup d'arde. Au risque de réveiller le vieux fer de lance. Quoi ? T'as les foies ? Non, mais je réfléchis avant d'agir. Tu peux cesser ce raffut ? Du calme. J'ai glissé. Quelque chose m'est tombé dans l'œil. Une écharpe, je crois. J'espère que ce n'était pas un éclat de miroir. Ça gâcherait ta bonne humeur. Ah, ah. Quoi t'attendais-tu ? Un parfum de violette ? J'aurais préféré, oui. Il est si mignon quand il dort. On voudrait presque qu'il ne se réveille jamais. D'être à l'air libre. Ennui, droit devant. Ces trolls, là ? Les ennuis sont pour eux, pas pour nous. Qui essaies-tu d'impressionner ? Le coup du gros dur, ça ne marche pas avec moi. C'est la meilleure. Vézémir m'a raconté le tour que tu as joué au Nilfgaardien de Velen. Que faites-vous ? Je tue des monstres. Tordant. C'est sorti tout seul. Allons-y.
l'a vu détaler dès qu'il nous a aperçus. Drôle de comportement pour un troll. Chancelier, plus bouger, halte. Ici, montagne, c'est troll montagne. Montagne des trolls. Hein? Ah ouais, montagne des trolls. Non, oh, je te laisse causer à ces abrutis. Du calme. Nous voulons simplement aller au cercle. Sorcelier dire truc 1 et faire truc 2. Même truc 3. Des fois. Bon, ça suffit. Poussez-vous, les débiles, ou je vous pulvérise. C'est compris? Oh. Ils ont parfaitement compris. Bravo à toi. Fonçons dans la caverne, avant qu'ils nous caillent à sa mort. Jetez pierre. Vous allez rien du tout. Sorcelier, bien comprenu? Bien comprenu. Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments. Ah, pas bien, petit Meg. Troll pas les châteaux sorceliers. Beaucoup cailloux ici. Jolis cailloux. Ça te plaît comme bavardage? On n'avance pas d'un pouce. Laisse-moi parler. Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire. On ne vous veut pas de mal. On ne touchera pas à vos cailloux. Laissez-nous simplement passer. Troll, lancez, cailloux. Sorcelier, pas tapis. Juste blablabla. Sorcelier, gentil. Gros bêta. Sorcelier, tu es monstre. Troll, monstre. Bah oui, pas faire grimace. D'accord. Vous laissez bâton qui coupe ici. Vous passez. Sinon, nous taper et faire mal. Très bien. On laisse nos épées ici. On les reprendra en repartant. Nous. Pas vouloir. Métal, brrrr, piquez la bouche. Ça va pas? Tais-toi et fais ce que je dis. Tu manques à tout étoir. Pardon? Si je me souviens bien des leçons de Papy les émirs, les sorceleurs tuent les monstres. La mémoire te joue des tours. Il ne tue que les monstres hostiles. Enfin, nous y voilà. C'est pas trop tôt. Bon sang, quel panorama. J'imagine si tu l'as remarqué. Geralt. Pour qui tu me prends? Mais voyons, pour le grincheux de service. Dans le mille. Mais garde le reste des compliments pour plus tard. On a du travail. Tu te rappelles comment fonctionne le cercle? Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici. Inutile de t'en excuser, vieille branche. Allume les torches et place le phylactère sur l'autel. Je me charge du reste. Comment est-ce déjà? L'eau, puis la terre, puis l'air. Voilà.
Phylactère en position. Il ne reste plus qu'à attendre. Il va absorber la puissance des éléments pendant qu'on fait une pause. Bien. Alors, comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon ? Que je me souvienne. Ah oui, le signe d'Axi. Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll. Les deux autres étaient occupés. Ouais. Utile, le signe d'Axi. Il m'a sauvé la vie il y a peu. Je sens venir un récit intéressant. L'un des meilleurs. Je me fais rançonner par deux brigands. L'un me tient en joue avec une arbalète, pendant que l'autre farfouille dans ma besace. J'ai forcé le premier à tirer sur son comparse, puis à se pendre. Eh bien, excellente ton histoire. N'est-ce pas ? Et édifiante, avec ça. Dis-moi, tu as toujours été un fumier sans pitié ? Non. J'étais même adorable avant que Vézémir m'amène à Kermorren. Selon toi, c'est si moche d'être sorceleur. Oh, j'aurais pu finir plus mal. Je regrette seulement de ne pas avoir eu le choix. C'était notre destin. Le destin ? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Après quelques verres, mon ivrogne de père nous cognait sec, ma mère et moi. On a prié pour qu'il meure nuit après nuit. Un jour, nos prières ont failli être exaucées. Le père s'égare en sortant de la taverne, et voilà qu'il tombe sur un nid de Necker. Mais un sorceleur lui sauve la vie. Devine ce qu'il a demandé en échange. Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi. Ma vie. En échange de celle d'un vieux salaud. Si c'est ça le destin, je l'emmerde. Je l'ignorais. Je suis désolé. La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume, tu auras ta réponse. Bon, assez ruminé. Tirons-nous d'ici. Récupérons nos armes. Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras. Tu l'as dit, mon frère. Sorcelier, reprendre bâton pointu et rentrer maison. Inutile de nous le dire deux fois. Viens, Gérald, on s'en va. Bon, rentrons. Après vous, messire. Décidé à tout faire sauter ? Désolé, Gérald, mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème ? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du troisième cristal qui explose ? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt ? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Esquel semble parti aux champignons et non à la chasse aux fouinards ? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc ? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs.
Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Eskel et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalo-rachidien de Fouenard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Déjà fait. Vraiment? Eh bien, quelle initiative! Il ne reste plus qu'une bricole à régler. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très... spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite! Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce Potesta, Quisiteur. Potesta, Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? Ah, une dernière chose. Merci, Gérald. Rien de ce côté. S'intensifie. Je me rapproche. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. Nous y voilà. La perturbation vient d'ici. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Des bombes d'iméritium, faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir. Comment ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. Uma. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Rien de ce côté.
Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était ? Des bombes d'iméridium, laissées près des lits par Lambert. Oh, j'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir contacter Ida. On parle bien de la sage elfe. Cette Ida-là, que lui veux-tu ? Reste, et tu verras par toi-même. Moi qui croyais que les membres de la loge ne laissaient pas n'importe qui fourrer son nez dans leurs affaires. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance ? Cesse de déformer mes propos. Kaed Mil, Yennefer à Elfengerberg, Queenblade. Kaed Mil, à Ensaivern. Pourquoi cette convocation ? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction ? Vafail Elain. Kedmil Foli, Glaediv Doni Aeb Tenaid, Bondroitne Yahus. Ce dialecte, tu le reconnais ? Let Aenondon. Ce qui veut dire ? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration ? Plus tard, Gérald. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles ? Oui. Dans les légendes, de celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider pour la malédiction ? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Ensaivern. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. Laisse-moi deviner. Tu veux quelque chose en retour. Gwynblade, si je peux formuler une requête, cesse de deviner et écoute. Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Hitler. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu ? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin. Ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade. Car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Une idée de ce dont elle a parlé ? De Ciri, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. À quoi fait référence cette migration ? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Non, Vesemir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question ? Bien entendu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les elfes Enseid et Enel formaient autrefois un seul et même peuple, les En-Undod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les En-Undod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en Light En-Undod... Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant ? Commence déjà par t'excuser de t'être comporté comme un rustre, malgré mes recommandations. Je suis désolé. Mais quand Ida est montée sur ses grands chevaux... Tu as décidé de lui prouver que son attitude était parfaitement justifiée. Bien joué, Gérald. Bravo. Bon, ça suffit. Tout est prêt. Rassemblons tout le monde et démarrons. Écoutez tous. Tout est en place. Nous pouvons commencer. Lambert prépare les appareils. Est-ce qu'elle va... Dernière nouvelle, très chère, c'est moi qui donne les ordres ici. Pas toi.
Je croyais que nous avions un accord pour guérir Uma à ma manière. J'ai dit que nous allions t'aider. Point final. J'ignore ce que tu comptes lui faire, puisque tu n'as pas daigné nous en faire part. Mais c'est risqué, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Raison pour laquelle je penche pour une autre méthode, moins agressive. Quelle est cette méthode? Une variante des croyances populaires. Elle m'a bien servi en 1211, notamment pour lever la malédiction du signe de Provis. Je vais conduire Uma dans les montagnes. Et après, vous allez hurler à la lune de concert? Un peu de respect, ce n'est pas à Geralt que tu parles. Non, nous n'allons pas hurler à la lune. Je compte l'allonger sur une pierre tombale. À minuit, je lui ferai boire une infusion de cigu cueillie à... Mais je n'ai pas à tout vous expliquer. À mon avis... Je connais ton avis. Mais je ne demande la permission de personne. J'énonce des faits à venir. Je serai de retour à l'aube. Avec Uma, ou quiconque se cache en lui. L'humeur de Vesemir ne s'arrange pas avec l'âge. Ce n'était rien. Il fallait le voir l'hiver dernier, quand Lambert a tenté de le convaincre d'abandonner Kaer Morhen pour de bon. À quoi bon moisir dans cette ruine? Mur lézardé, toi qui fuis, c'est une foutue glacière tout l'hiver. Vesemir n'a rien dit. Il s'est levé, a empoigné son épée et a claqué la porte en sortant. On ne l'a pas revu pendant un mois. Bon, soirée libre en perspective. Comment allons-nous l'employer? Vesemir a parlé de poutres à changer dans la tour l'autre jour. On pourrait s'en occuper. Ou boire quelques verres. C'est toujours plus alléchant que les poutres. Je ne dis pas non à un verre ou deux. Je m'incline devant la majorité. Allons-y. Comme il vous plaira. Mais dans un instant. Nous avons à parler, Geralt et moi. Voilà. Ça paraît sérieux. À tout à l'heure, Geralt. Quelque chose cloche? Non, je souhaitais simplement te voir en privé, sans indiquer aux autres ce que nous allons faire. Ah, et qu'allons-nous faire au juste? Nous glisser à l'étage pour faire l'amour. Tu n'y vas pas par quatre chemins, toi. J'ai passé l'âge de jouer les vierges effarouchées. Sauf si tu me le demandes gentiment. On y va? Tu les rejoindras après. Dans une heure, ou deux. Ou trois. Cochon qui s'en dédie. Tiens, tiens, des tourtereaux se joignent à nous. C'était comment? Lambert, tu as entendu la réponse à cette question.
Et puis ça ne nous regarde pas. Yen, on n'a pas de verre. Boire dans une tasse te dérange ? Ce soir, je pourrais boire dans une botte. Au lieu de s'engluer dans l'amorosité, on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Quoi de neuf de ton côté, Lambert ? Tu faisais cap à l'ouest la dernière fois que je t'ai vu. Ah oui, un contrat à l'Annexeter. Très lucratif, sans vouloir me vanter. Oui, rien de tel que Kovir pour être cousu d'or. Vous savez combien il rapporte un noyeur ? Silence, c'est mon tour. Ordon, un géant fait du grabuge. Il attaque les convois, il sème son monde dans les marais... Et se soulage sur la grande route au point de la rendre glissante. Je crois qu'on a saisi le tableau. Viens-en au fait. Très bien. En fait, ce n'était pas un géant, mais un gros troll des bois. Et les attaques, c'était le fait d'une bande de brigands. Qu'as-tu fait ? J'ai liquidé les brigands pour pacifier les routes. Puis le troll. Il fallait sa tête pour le contrat. Tu aurais pu épargner le troll ? Pour manger des racines et dormir dans le fossé ? J'étais sans le sou. Et personne n'a pleuré ce malheureux troll. Levons nos chopes à sa mémoire. C'est le moins qu'on puisse faire. Où es-tu allé pendant ton absence, Eskel ? J'étais à Aldersberg, pour chasser le vampire supérieur. Oh, de dangereuses saletés. Et Pinailleur avec ça. Le spécimen en question s'en prenait uniquement aux jeunes femmes de bonne famille. Tout comme moi. Garde tes fantasmes pour toi, Lambert. Ce vampire, en revanche, je me demande comment tu as fait. Mon client a invité les notables de la ville à un bal masqué pour faire sortir le vampire du bois. J'y étais aussi, déguisé. Je n'avais jamais connu pareil succès auprès de la gente féminine. Travail et romance en simultané ? Mauvaise idée. Le vampire aurait pu te trouver le pantalon baissé. J'imagine, oui. Mais de mon point de vue, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent. Peut-être que tu devrais porter un masque en permanence. Et toi, peut-être un bâillon. Et le vampire dans tout ça ? J'avais conclu un accord avec une jeune alchimiste. Elle s'est gavée de fistec, de vodka et de champignons magiques avant de sortir dans les jardins. Le vampire l'a trouvée, a bu tout son sou. Le combat fut une formalité. Un vrai conte de fées sur la gloutonnerie. L'alchimiste s'en est tirée ? Oui, elle a perdu un peu de sang. Une broutille par rapport à la gueule de bois. Condamnée à la saumure de cornichons pendant un mois. Je sors d'une période faste, roi, dragon, complot. Et puis, j'ai retrouvé Yen. Content pour toi. Et si tu nous parlais d'Uma, plutôt ? Longue histoire. J'étais sur la trace de Ciri via Velen, Skellige, puis Novigrad. Où il a encore fallu sauver Jaskier. On l'a surpris à trousser une donzelle qu'il n'aurait pas dû. À propos de vieux amis de Novigrad et de donzelles à trousser, comment va Triss ? Triss se débrouille pas trop mal. Et ces cicatrices qui remontent à Soden, elle les a toujours ? Lambert, tu n'es pas drôle. Très bien. On en vient aux choses sérieuses ? D'accord. Yen, que comptes-tu faire avec Uma ? J'ai annoncé que je le dirai demain. Dis-le tout de suite, il est minuit passé. Je vais le soumettre à l'épreuve des herbes. Seulement... Tu vas faire quoi ? Du calme, Lambert. T'as entendu ce qu'elle... Je ne te le répéterai pas. Excuse-moi. Tu veux en faire un sorceleur ? Bien sûr que non. Comme j'allais m'en expliquer, il ne s'agira que de la première moitié de l'épreuve, parce que... Parce que tu veux le voir souffrir ? Cesse de m'interrompre, ou c'est toi qui vas souffrir. Pour rendre à Uma son apparence initiale, il faut d'abord... Comment expliquer ? Imaginez une boule de glaise. Avant de la façonner, il faut l'humidifier, sans quoi elle s'émiette. C'est le propos du début de l'épreuve.
ouvrir le corps au changement, pour ainsi dire. Alors seulement, les mutagènes peuvent produire un sorceleur. Quelles sont les chances de survie, Douma ? Mince, mais nous n'avons pas le choix. Sauf si Vesemir parvient à quelque chose avec sa ciguë. Allez savoir, le vieux connaît son affaire. Ce sera une première depuis des années, des décennies même. Je savais que tu allais t'inquiéter. S'inquiéter ? Là n'est pas le problème. Ce sont des secrets tombés dans l'oubli, et qui devraient y rester. Loin de moi, l'idée de vous suggérer de produire des hordes de sorceleurs. À quoi bon ? Jusqu'ici, on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprenti. Il va falloir en reparler, on dirait. On en reparlera plus tard, peut-être. Qui est partant pour une autre tournée ? Présent. Et on a épuisé les munitions. Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines ? Pas du tout. Messieurs, ce fut un plaisir de boire avec vous. Surtout Lambert. Mais il se fait tard. Ne tardez pas trop. Demain est un jour important. Il n'a rien voulu savoir, je parie. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes ? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Il finira dans une minute. Les munitions d'abord. Oh. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi ? Du souffroir. Moitié alcool rectifié, moitié immaculé. Pourquoi tu fais cette tête ? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous. Cul sec. Cette histoire de Samovilla, au fait. Elle avait piégé un paysan dans sa danse. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. À cette heure, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. Ah bon ? Dans quel sens ? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. C'est bientôt fini, les vacheries sur Yen. Ouais, dès que j'aurai confiance en elle. Pour elle, tu te jetterais dans un brasier. Cependant qu'elle se joue de toi, comme toujours. Voilà de fieffés propos d'experts. Aucun de vous n'a jamais fréquenté de magicien. Ben oui, pas fou. Allez, laisse joli cœur tranquille avant qu'il vire grognon. J'ai déjà assez la gueule. Ça me prend le mien de cœur. À ta santé, Gérald. À toi et à Yen, au bonheur éternel. Oh, on se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Monsieur, vidange de dragon, et je reviens. Tu t'entends bien avec Lambert ? Pas trop mal, depuis que j'ai appris à éviter certains sujets. Ils doivent être nombreux. Très. Salutations, les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Où as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vesemir. Le dernier chic de 1112. Le vieux s'attivait sûrement comme ça pour courir la gueuse. Ou faire la cour aux gens de dames, comme on disait à l'époque. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes. Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vesemir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Eskel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux.
Bon, les enfants. Oli. Parle pour toi. La nuit est encore jeune. Mais pas nous. Et demain, c'est du sérieux. Bah, non, non. C'est pas drôle de boire face à son reflet. Dernière fois, en tout cas, ça n'était pas. Tu vois, même toi, t'as du mal à te supporter toi-même. Bonne nuit. Bon sang, quel rêve. Je vois que tout le monde est paré. J'en déduis que la soirée fut productive. Oui. On a parlé d'Uma. Jusqu'à tard. Les poutres de la tour sont donc remises à une autre fois? Oui, mais on va s'en occuper, promis. Pas vrai, Lambert? La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. Tu as appris quelque chose, Vézémir? Pendant que tu chassais le fouinard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui. Je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald, prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non. Après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot! Tu ignores qui est emprisonné dans le corps d'Uma. Comment vas-tu calculer le dosage? Je me suis livré à des calculs complexes. J'ai extrapolé certaines données, fait des sous. Ce sera au hasard, tu peux dire. Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir. Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquel, incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. La berce fonctionne. Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux? Non, mais on est en terrain inconnu. Administre la potion suivante. Ah 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 ah
J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table ? Gérald, potion suivante. Oese Kaifin. Et après ? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Eskel, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons ? Je m'en charge. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre ? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, dément, privée d'émotion. Tu y as pensé ? J'ai confiance en Yen. Elle sait ce qu'elle fait. J'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste ? Elle t'a indiqué les chances de réussir ? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendu. Moi aussi, en fait. C'est normal ? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Au sorceleur, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yen, tu t'endors ? Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact ? C'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi, puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Il n'était pas chaud, je n'en avais jamais fait. Et elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. Non, pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. Il va sans dire que par la suite... Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Cool.
Koale Kanyata. Nevit, Sivir, Koale Kanyata. Nevit, Tarif, Endir. Gérald. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe N.O. Un sage. Où se trouve Ciri? Cachée. Sur l'île des brumes. Mais elle est en danger. La chasse. La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Son sang. Le sang ancien. Pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Cette île des brumes, où est-elle? Partout et nulle part. Dites, l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à devinette. Réveil, Harveil, Sirene. Askelir. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Il va s'en tirer? Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière, j'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Je ne sais pas, nous verrons bien. Gérald, je comprends que tu sois pressé de la retrouver, mais tu... Nous ne pouvons pas, Gérald. Tu as une idée en tête, avoue-le. Allez, crache le morceau. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Gérald va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise, et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous cinq, dans un château décrépit. Avons-nous le choix, hormis retarder l'inévitable? Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait belles femmes dans ce lot? Uniquement des belles femmes. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. T'es nul, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille.
Bonne chance, Hugo Blanc. Transmets notre affection à Cyrilla. Reviens au plus vite, Geralt. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Y'a pas de mauvais drakkar. Pas touche à nos filles. Y'a que des marins. Ça, par exemple. Tiens, tiens. Tu as gagné notre respect. Voilà. Aiderez-vous un homme dans le besoin? Oh! Les druides l'avaient dit, il allait pleuvoir.
me laisse pas le choix.
devrais réunir mon groupe avant d'aller plus loin. Des haches et des scies, l'odeur de la sève qui flotte dans l'air. Les Jarls construisent de nouveaux drakkars. Sorceleur ? Hé, sorceleur, par ici ! Un sorceleur ? Hé, sorceleur, par ici ! Je dénoncerai le mal où qu'il se trouve et n'accorderai aucune trêve. On peut parler ? La chasse sauvage va bientôt attaquer Kaer Morhen. Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr? Ainsi, tu as trouvé Ciri? Oui, je l'ai localisée. À l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Je vois. Je prépare mes affaires sur le champ, je pars demain au plus tard. Merci. Inutile de me remercier. J'ai élevé la petite, c'est mon devoir.
On se retrouve à Kaer Morhen. Pas facile à tuer. Je dénoncerai le mal où qu'il se trouve et n'accorderai aucun. La floraison tarde à venir. Et les abeilles sont. Demain, c'est l'anniversaire de ma petite Norville. Et j'ai pas la moindre idée de cadeau. Pourquoi pas une belle. À bout de force, hein? Tu lui as tranché la tête. T'es blessé? Mon père est devenu tout pâle comme toi juste avant. Je me suis toujours posé la question. Mon vieux Gérald, vu que vous avez battu ce géant de glace avec Almar, vous êtes l'un des nôtres. J'ai l'air d'un insulaire. Votre cœur est celui d'un Ancrete. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Ciri, je sais où elle est. Je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Kaer Morhen, nulle part ailleurs. Kaer Morhen est à des lieues d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Gérald, je regrette, mais c'est impossible. Je comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. Je vais faire mon possible. Suivez-moi. Très beau travail. Votre artisan est doué. Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlen d'Ancrete. Erlen, point de pierre. C'est donc la lame de l'hiver? Je croyais à une légende. Forgé à Mahakam, trempé au feu des dragons, dans la famille Ancrete depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Je ne peux pas la prendre. Si, et vous le devez. Accordez-moi au moins ça. Si vous insistez, merci. Puisse-t-elle vous être utile? Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu. Paul, on en a déjà parlé. Va savoir. Va savoir. Ils s'en reviennent sans une égratignure. N'allez pas croire que je vais me prosterner parce que vous avez. C'est pas Manila. Vous avez bien dit que ce serait un enfant de Krar. Ainsi donc, ah. Les légendes disaient vrai. Les nantis du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer leur carcasse.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une décoration. Je l'ai gravée moi-même. Fais fondre cette... Ces épées, mais je préfère. Un sacré guerrier, Jonathan Crete. Maudit soit jusqu'à votre nom. Ces nantis du continent viennent faire les beaux et après faut y évacuer leur carcasse. Mes respects. Des gars comme toi, je vais vous faire arriver. Il est parti tuer l'Empire. Un tueur. Qui va là? Dame Bran aurait mieux fait de ne pas vendre la peau de l'ours. Pas mal, ces épées. Mais je préfère. Cherche l'aventure. Le sorceleur. Je me suis toujours posé la question. Mon père, il est parti tuer l'enfant. Cette morue ne passe pas. De nouveaux ennuis en perspective. Qui va là? Votre Majesté, auriez-vous un instant à m'accorder? Allons, Gérald, pas de ça avec moi. Hormis le titre, rien n'a changé. Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvée? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvée, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kaer Morhen pour affronter la chasse là-bas. Je cherche des alliés. Je ne peux pas quitter l'archipel maintenant. C'est impossible. Par contre, je peux vous donner mon meilleur guerrier. Hjalmar. Vous croyez qu'il sera d'accord? J'en suis certaine. En fait, je pense qu'il en sera ravi. Vous savez comment il est? Oui, c'est vrai. Merci. Pas de doute qu'il se montrera vaillant. Et utile aussi, j'espère. Bonne chance. On aura affaire à vous. Comment vont les choses, Gérald? La chasse sauvage prépare un assaut sur Kaer Morhen. Ton aide me serait précieuse. Les spectres sont aux portes de la forteresse des sorceleurs. Tu es un ami du clan, je ne peux rien te refuser. Qui plus est, jamais un Ancret n'a tenu tête à pareil ennemi. Je pars sur le champ. Merci. Je ne l'oublierai pas. Comme ça. Les gars de Fola, c'est par les droits. Finir en amuse-gueule. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Il y a donc du vrai dans cette histoire de géant de glace. Ah, le parrain qui ne s'est pas épelé son propre nom. Et... Oh, pas la peine de beugler. La malédiction d'Ouma s'avéra difficile à lever.
Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Les sorceleurs craignent pas la peste, pas vrai? Tu me déranges, Grison. Épée, frappez! Frappez les escadrons noirs, l'ennemi doit crever! Épée en arrière, Uber! Ce sera fini, je vais ouvrir un bordel à Vizima. Geralt de Rive, sain et sauf. J'aurai besoin de toi, Kaer Morhen. Je compte y emmener Ciri. Ce qui signifie que la chasse sauvage ne tardera pas à pointer son nez. Tu ne m'as pas tourné le dos quand j'étais dans le besoin. Je te dois bien ça. Merci. J'ai dans l'idée que tes talents pourraient s'avérer très précieux. Je viendrai peut-être avec Sin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à Kaer Morhen. Dis-moi, toi qui as voyagé partout. Un sorceleur. Exactement ce qui manquait à notre bande de joueurs. C'est vrai que vous avez... Elle n'a lancé aucun sort, sur mon honneur. L'honneur d'un elfe. Ça vaut moins qu'un être humain. Ils vous haïssent aussi, Valkern. Zoltan. Geralt. Je sais où est Ciri. Alors assez bavardé. Allons trouver la gamine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Kaer Morhen. C'est là que je conduirai Ciri. La chasse sauvage attaquera peu après. Ton appui me sera précieux. Compte sur moi. Et sur ma hache. Merci. Rendez-vous à Kaer Morhen. Les émirs Eskel et Lambert sont déjà sur place. Ouais. Non, bordel, je sais foutre rien. T'es un type vulgaire, je le lis sur la tronche. Interdiction de vagabonder ici. Non humain, hein. Allez donc retrouver ton congénère dans les fonds. Comme la fongine, les égouts, la vermine, la pétition. Regardez, un tchou. Des magiciens. Vivons un coup. La nuit. Qui peut se payer les services d'un sorceleur de nos jours? J'ignorais qu'elle pratiquait la magie. L'ignorance n'efface pas le feu. Et alors, qu'est-ce qui l'efface? Le feu. Rien que le feu. Je peux payer. En banque, j'ai... Oh, dormir, dormir. J'aimerais que mon âme et votre courage, vous pourrez tuer des monstres et empocher les primes. Vous connaissez Monsieur Meng? Si ce n'est pas le cas. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours, d'ailleurs. Oh, et puis merde. J'ai franchement besoin d'un coup de main. Oh, tu as besoin de mon aide? Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kaer Morhen. C'est une certitude. Je cherche des gens, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Désolé, Geralt. J'ai déjà un tas de problèmes à régler. Je n'ai toujours pas récupéré ce qui m'appartient. Ton aide a un peu laissé à désirer, je te rappelle. Alors, je ne te dois rien.
La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des brumes. Gwyn Ar, Dvegladiven, et Seten van Gern Geralt. Votre Majesté impériale. Sorceleur, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai réussi à localiser Ciri. Enfin. Je commençais à douter du bien fondé de votre engagement. Ramenez-la sur le champ. La chasse sauvage est à ses trousses. Elle ne sera en sécurité qu'à Kaer Morhen. Ce n'était pas une suggestion. Je saurai veiller sur ma fille. J'en doute. La chasse sauvage n'a rien à voir avec un ramassis d'auxiliaires témériens ou d'archers lyriens. L'affronter ici mettrait visiblement en péril, ainsi que des centaines d'innocents. Il n'y a pas âme qui vive autour de Kaer Morhen, et votre armée y serait bien plus utile. Entendu. J'enverrai un détachement, à une condition. Que le général Voris soit à sa tête. Je ne puis accepter. Et je ne puis accepter de laisser des sorceleurs commander mes troupes. Ma foi, aucun de nous ne paraît disposé à transiger. Désolé d'avoir abusé de votre temps, Majesté. Ramenez-moi Ciri. Entendu. Si tel est son souhait. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des brumes.
malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. La Luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Fermé. Y'a quelqu'un ? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez ! Ah, bravo la discrétion. Qui vous êtes ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Je suis Geralt. Un sorceleur. Foutez le camp. Je recherche une jeune fille. Je veux cendrer et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer ? Non.
patience, ça me nuise. Tant mieux. Comme ça, vous allez bientôt foutre le camp. Par la barbe de ma mère, ressaisissez-vous, les gars. Vous, là, derrière la porte, c'est bien Gérald ? Oui, c'est cela, Gérald. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Des bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant. Vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ce que dit le renard aux oies. J'ai déjà perdu trop de compagnons, je prendrai pas ce risque. Si je retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal. Mais vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils ? Quoi ? Ivo, Gaspard et Ferenc. Ivo, de quel côté dois-je le chercher ? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. On devrait le vérifier. Gaspard, où puis-je le trouver ? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours. Il fallait agir, alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Où est parti Ferenc ? Vers l'ouest, pour trouver un bateau qui serait là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que vous compreniez. Sacrément content de vous voir. J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu, j'arrive. Ah, je suis verni. J'ai un regret, vous savez. Que... Mort. Merde.
Du vent. Du vent, maléfice. Hé, hey, réveillez-vous. Chut, coucouche panier, bubule. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je m'appelle Geralt. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens, je souffre de narcolepsie. Je sais de quoi il retourne. Pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. C'est bien cette île? Pas vraiment, non. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Vous croyez qu'elle est enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr. Fini de jouer. Il a tenté de fuir le fielan. Trop court sur pattes. L'un des nains a pu se distancer. Dommage qu'il soit mort.
je vais bientôt. Allons, debout. Oh, Bubule, t'es un vilain chaton, tu sais ça? Ça va, je suis debout. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce drôle d'endroit? Je cherche quelqu'un. Ici? Simple concours de circonstances. Vous n'avez pas l'air de vouloir vous étendre sur le sujet. Effectivement. Je vous ramène un ami. C'est vrai. Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé? Gaspard! Reculez, j'ouvre la porte. Gaspard! Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint? Un peu pâteux, c'est tout. Pour les autres? J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. Merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et... désolé d'avoir été si méfiant. Oh. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Écartez-vous. Elle est froide. Son âme l'a quittée. On n'a rien pu faire. Attendons près du bateau. On dirait que les enseignements de Vézémir n'ont pas tous été vains. Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment.
et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce ? Quelle créature ? Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent ? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant la malédiction. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kaer Morhen. Tu es sérieux ? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance ? À Valar ? Il ne m'a jamais laissé tomber. Pour quelle raison Avalar te vient-il en aide ? Les sages et les humains, ça fait deux. Il ne le fait pas pour moi, mais pour mon pouvoir. Comme s'il pouvait s'agir d'autre chose. Avalar a tenté de m'apprendre à contrôler mes pouvoirs, tout en s'assurant que je ne tombe pas aux mains d'Eredin. Eredin, que cherche-t-il ? Qu'attend-il de toi ? La même chose que tout le monde. Il veut contrôler mes pouvoirs. Son monde est menacé d'annihilation. Alors Eredin a décidé d'envahir le nôtre. Futé, tu trouves pas ? Il ne parviendra pas à grand-chose seul. Alors il doit faire venir une armée. Sauf que ses navigateurs ne pourront jamais le déplacer avec des milliers d'NL entre les plans. Ils n'en ont pas les capacités. Contrairement à toi. Exactement. Et si je meurs durant le processus, ce ne sera qu'un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar ? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant... 2 saisons, peut-être. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il ? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Ciri, cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. On aurait dû rester là-bas. Pourquoi es-tu revenu ? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis je... Je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Pas étonnant. Par moments je fuyais comme une folle, droit devant. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux tout savoir. Eredin nous a localisés tout de suite après notre arrivée sur Artskellig. Peu de temps après, il nous a encerclés avec ses cavaliers. J'ai cru que c'était la fin. En fait, Eredin avait d'autres projets. Il a sorti le phylactère et l'a débouché. Une brume nous a enveloppés et Avalar a commencé à suffoquer. C'est comme ça qu'Eredin a maudit Avalar et déclenché sa transformation en Uma ? Oui. Il ne voulait pas le tuer. L'humilier, c'était ça son but. Mais Avalar ne pouvait pas s'avouer vaincu. Il a lancé un sort qui a fait des ravages dans les rangs de la chasse. Et dans une bonne moitié de la forêt sur Artskellig. Ça nous a aussi donné le temps de fuir. Avalar a ouvert un portail et j'ai sauté à travers. Il était censé me suivre, mais quelque chose a mal tourné. À cause de la malédiction, il n'a pas atteint le portail à temps. On avait convenu de se retrouver à sa planque, à Velen. Si la situation dérapait ou si nous étions séparés. Et la situation a dérapé. Oui. Au lieu de me conduire au repère d'Avalar, le portail m'a précipité au beau milieu du marais de Torséchine. J'ai échappé de justesse au moire. Puis ce fut le baron.
Tu sais qu'il m'a emmené à la chasse? J'ai tué un sanglier sauvage à l'épée. J'en ai entendu parler. C'était un hasard, vraiment. Je n'avais aucune envie de chasser ce jour-là, mais je me sentais pas le cœur de refuser. Je n'avais rien qui ressemble de près ou de loin à une arme de chasse. Je n'avais nullement prévu de chasser. Je me promenais dans la forêt, en respirant le bon air, quand soudain, un bruit étrange. Le sanglier t'a attaqué. Il avait la taille d'un bison et il me fonçait dessus. Et moi, je n'avais que mon épée. J'ai dû improviser. Tu as dû bien t'en tirer, vu le souvenir qu'en ont gardé les hommes du baron. Ce ne sont que de simples soldats, mais on s'entendait bien. Je regrette d'avoir dû fuir, mais je ne voulais pas que la chasse sauvage s'en prenne à eux. D'autant que je savais que la malédiction faisait son œuvre. Donc j'ai renoncé à chercher à Valar pour me tourner vers Yann et toi. Comment as-tu rencontré une ordure comme le petit bâtard? Vous étiez introuvables, Yennefer et toi. Et il me fallait quelqu'un pour réparer le phylactère. Pas question de solliciter un artisan ordinaire. Il me fallait un mage, avec des pouvoirs hors normes. C'est là que Jaski a décidé de m'aider. On aurait dit qu'il en allait de son honneur. Il a organisé une rencontre avec un mage, mais ça s'est avéré être un piège de la garde du temple. Ah. Il a oublié de mentionner ce détail. C'était sûrement pour éviter de t'inquiéter. Plus tard, on a appris que la garde faisait ça régulièrement, afin de pincer tous ceux qui collaboraient avec les mages. Il fallait trouver une autre solution, c'était évident. Alors Jaskier m'a dit connaître un homme qui possédait une partie de Novigrad, comme il disait, et qui avait le bras long. Il était sûr de connaître quelqu'un à même de réparer le phylactère. Le petit bâtard. Je sentais que l'idée présentait des risques, mais j'étais désespérée. J'avais pas le choix. Ton intuition était bonne. Le petit bâtard n'est pas le plus fiable des partenaires. Cet imbécile s'était mis en tête qu'on l'avait doublé. En représailles, il a fait enlever Doudou. Que vous avez tôt fait de délivrer pour ensuite gagner l'île du Temple. Brillante idée. Ce n'était pas prévu. Nous avons simplement foncé sans réfléchir. Je ne me suis pas rendu compte que les gardes me poussaient dans un piège. Et soudain, j'ai su que je devais disparaître, de suite. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé à Skellig. Oui. Le rivage d'Indarsfjall est le premier endroit agréable qui me soit venu à l'esprit. Nous y nagions autrefois avec Hjalmar. Une minute. Tu t'y es retrouvé par hasard? Je croyais que vous aviez goupillé quelque chose avec Avalar. Non. Il a simplement senti que j'utilisais mon pouvoir. Tout comme Eredin perçoit où je suis et où je vais. D'ailleurs, Eredin et ses cavaliers ont débarqué peu de temps après. De nouveau, les événements se sont précipités. Le faux temps, l'attaque de la chasse, ma fuite. Et depuis, rien que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Oh, c'était affreux. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre. Et pourtant, j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non. Les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu. Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. Je t'ai cru morte. J'ai croisé des nains, ils m'ont dit avoir tenté de te réveiller. Mais tu étais gelée et tu ne respirais plus. Mais tu es venue quand même. Qui croirait un nain par les temps qui courent? À propos de nains, ils doivent s'impatienter. Ne nous attardons pas. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kaer Morhen. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien.
bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Et puis je hais les portails. Merde. Écoute, nous devons trouver un moyen. Bienvenue. Tu es devenue une beauté. Ne restons pas plantés là. Viens, allons voir les autres. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Quoi ? Petite sœur. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Nous n'avons aucune raison de faire ça ici. Entrez. Le temps presse. La chasse sauvage sera bientôt à nos portes. Ne restons pas dehors. Très juste. Allons tenir conseil. Yen, tu connais la chasse sauvage mieux que personne. Parle-nous de la magie qu'ils utilisent. Leur navigateur ouvre des portails. Tu l'as trouvé ? Ah ! J'espère que ce gaz sera efficace. Elle est des nôtres, Geralt. Nous ne la laisserons pas tomber. Quelle est Esquelle ? Elle doit être à peine plus... Salut, le blanc. Salut Geralt. Si je dois mourir aujourd'hui, autant.
Rassemblement général. Il faut qu'on parle. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir ? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan ? Le roi de la chasse, Eridin, est certain de la supériorité de ses troupes d'assaut. Il frappera fort, en espérant nous balayer d'un coup. Pour déjouer ses plans, nous devons prendre l'initiative. Je vais créer un dôme magique au-dessus de la forteresse. Cela les obligera à se disperser dans les bois. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà deux volontaires pour chasser les chasseurs. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule ? Bien sûr. Excellent. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signatrice, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi ? Rester dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres ? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie. Et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Autre chose qui pourrait nous être utile ? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon striple. C'est-à-dire ? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux et filets. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre. Et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet, et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz ? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Quelqu'un a des idées pour l'atelier ? Il faudrait boucher cette brèche dans le mur. Mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat ? Tu n'es pas au courant. Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Nous aurons besoin d'armes aptes à percer l'armure des cavaliers. Déblayons l'armurerie. N'oublions pas le laboratoire.
J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Rien n'est plus fiable que les potions. Préparons-en le plus possible. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé? Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumons. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois, où Lambert et Geralt les attendent. Ils referment les portails de navigation à l'aide de bombes au diméritium et freinent au maximum l'assaut sur la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri, c'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui est déjà prêt? À dire vrai, pas grand-chose. Je n'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. Tes potions. Je suis inquiet. On manque d'épées en acier de météorites. On en a à foison. Tiens, Vesemir a déniché ça pour toi. Lame forgée par les gnomes, garde de facture elfe. Aucune armure ne lui résiste. Merci, pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Tu as un instant? Ah, fini de rire. Je ne les laisserai pas t'enlever. Tu m'entends? Je sais. Évite le grabuge à tout prix. Reste à l'abri. Ne me traite pas comme une enfant. Je ne l'ai jamais fait, même quand tu en étais une. J'aime bien te voir sourire. Viens là. Tout va bien se passer.
On doit une fière chandelle à Yen. Ce sort, c'est quelque chose. Sans oublier l'invisibilité. Leurs molosses peuvent nous flairer. Garde tes distances. Et n'oublie pas que tu redeviendras visible dès que tu engageras le combat. Au fait, beau travail avec ces bombes. Vise les portails et applique-toi. Je suis à court de diméritium. Yen a suggéré de lanceer le signe d'Irden sur les failles pour les sceller. Les voilà. Faisons leur bon accueil. Tout doux. L'effet de surprise est primordial. Reste caché. Laisse une chance à Triss de leur montrer ce qu'elle sait faire. On frappera ensuite. La prochaine fois que tu sens que je vais enquiquiner Merigold, pense à me donner une taloche. Fosse de roche. Deviens visible. Que fait Merigold ? Merde. Censé rester à l'intérieur. Pas question de végéter pendant que vous risquez vos vies pour moi. Retourne à l'intérieur. Non, Geralt a donné le signal et Triss n'a pas lancé de sort. Très bien, cours la rejoindre. Je suis prête.
Geralt ! Émerge de la forêt. Il faut fermer les portes avant qu'ils entrent. On donne la cour, on ouvre les portes. Mets-le. Lambert, reste avec nous, mon sang. Replions-nous, il est véritable force. Replions-nous, il est véritable force. Avait convenu qu'il ouvrirait cette porte. S'il ne l'a pas encore fait, il s'en sortira. Occupons-nous plutôt de Triss. Juste à temps.
peu secoués, c'est tout. Il a fallu qu'on se replie. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'ils y parviennent la prochaine fois. Que fabrique Eskel ? Il faut se replier ! Il a des ennuis. Je vais lui prêter main forte. N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée. Alors, moi aussi, je sais le faire. Rester au donjon, assise, bien sage, comme on te l'avait demandé. Et qui t'aurait sauvé la mise ? Ça se présente bien. Merci. Il faut leur ouvrir les portes. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Gérald, bloque-leur la voie. On doit former un cercle de vitalité. Il faut refermer les portails. Sans ça, tout est perdu. Thank you.
elle ne t'abandonnera pas. Vous autres humains, êtes si... Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. J'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute.
Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kaer Morhen. Avalar est faible, mais il vivra. Triss s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Geralt. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Kaer Morhen. Occupons-nous des funérailles de Vesemir. Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Tu sais pas ce que ça fait. Voir mourir un être cher. À cause de moi. Pour moi. Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui. Et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine. D'un mois. On va te cacher. Brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. Va, Fail. Pour ceux qui restent, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt, puis nous tiendrons conseil. Zyriel peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve que si. Visiblement, son succès. Je me ferai un plaisir d'en...
Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Zyréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kaer Morhen. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge ? La loge a perdu beaucoup de membres, et les survivantes se cachent. Philippa Elhart, Margarita Lohanti et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida ? Elles pourraient nous suivre ? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kaera seule à seule ? C'est sûrement préférable. Je ne veux pas de la loge autour de Ciri. Ces femmes ne m'inspirent pas confiance. Que devons-nous faire alors ? Combattre seul ? Connaître une fin aussi noble qu'inutile ? Non, Geralt. Par quelques miracles, nous avons survécu, arrachant une pauvre victoire à un prix exorbitant. Adieu la guérilla. Affrontons l'ennemi à découvert. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis ! J'en ai ma claque ! On me traite comme un vulgaire paquet ! Il n'est pas question que je me tourne les pouces ! J'en ai assez d'attendre ! J'en ai assez de me cacher ! Tu as raison. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Zyréel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi. Et puisqu'il est question de courage, et celui de me parler directement au lieu de passer par Geralt. Je m'en vais. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation au plus vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad, Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. On baisse les bras après 8 malheureux essais ? Zyréel. Combien de fois dois-je essayer ? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce ! Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Geralt, je t'en prie, pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème ? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi ? Quoi ? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances. Il y a bien cette ancienne méthode.
Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë ? Les druides de Skelly, je l'utilise depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé ! Tu vas le regretter ! Hé ! C'est de la triche ! Mauviette ! C'est ce qu'on va voir. Tu avais raison. C'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant ? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça ? Au mont Chauve de Vélène. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Il me l'hérite. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'est venue cette idée ? Qu'est-ce qui te prend ? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlérit sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Ciri, tu sais dans quoi tu t'engages ? Oui, et c'est mon devoir. Viens, nous en parlerons en route. Je te suis. Tu es prêt ? Allons-y. Après la bataille de Kaer Morhen, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Geralt et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait Imlérit au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort.
Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Ard Serbin, la demeure des Dames de la Forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les Dames de la Forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron ? Il s'est pendu après la mort de sa femme. Sa fille est à Novigrad. C'est triste. Tu es sûr qu'on va trouver Imlérit là-bas ? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les moires de Velen. Apparemment, Imlérit serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au cas où Avalar chercherait refuge dans son repère de Velen. À en juger par toutes les oreilles pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlérit est encore là ? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les moires flattent son ego et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur mon chauve. Tu connais cet endroit ? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des moires. Elles ont anéanti le cercle de Velen et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlérit sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des Moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlérit. Les paysans de Velen appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi.